Aventuriers, aventurières, bienvenue à vous pour une nouvelle vidéo sur Island. Eh ouais, mais cette fois-ci, avec la version achetée du jeu. C'est plus la démo. Donc, du coup, j'ai plus le temps. Si je veux, je peux me balader comme ça, vous voyez. Je suis pas stressé par le temps, donc là, c'est cool. En tout cas, les gens, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour la suite de Islands. Enfin, je dis la suite, en fait, c'est même pas la suite. C'est plutôt le début, on va dire. Parce que la dernière fois, j'étais en mode découverte. Et puis, disons que je me dépêchais un petit peu de faire tout le tour des trucs. Parce que j'étais en mode démo, quoi. Et là, cette fois-ci, on a le temps, tranquille. J'ai vu que la vidéo d'avant sur le jeu vous avait beaucoup plu, donc ça m'a fait super plaisir. J'ai vu qu'il y avait plus de 2000 likes, et du coup je me suis dit pourquoi pas commencer une petite aventure, ça peut être cool. On va partir sur un petit mode explore. Du coup voilà, c'est le mode survie, craft, explore the distance land. Ok d'accord, et ben on part là dessus, c'est parti. Vous voyez que la dernière fois je vous ai pas montré, bon parce que je voulais pas m'attarder sur les petits détails et tout, mais on peut faire son personnage. Ça c'est pour la couleur des cheveux, ça c'est pour la couleur de peau. Et puis voilà, on va partir comme ça tranquillement. Nous y voilà. Impeccable. Donc la dernière fois, c'est vrai que c'était un petit peu confus avec le jeu. Je veux dire, j'étais en mode démo, j'avais pas spécialement tout bien compris et tout. Là, on va essayer de plus prendre son temps, parce que bon, on n'est pas je veux dire, on n'est pas pressé par le temps du coup. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Green cuverde seashell. Ok, d'accord. Du coup, au début, ce qu'on va faire, c'est que ça, j'ai bien compris, le plus important, c'est l'herbe et le bois. Donc ça c'est pour commencer. Ça j'avais pas vu la dernière fois. Ah, on peut pas les prendre. Attends. Ah. Ah yes. Ok d'accord, est-ce que je peux le ramasser? Ah, j'ai peut-être pas ce qu'il faut. D'accord, ok. En tout cas j'ai vu que la dernière fois dans les commentaires, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé si le jeu il était gratuit ou l'acheter et tout. Alors faut savoir que le jeu il est en alpha. Il est pas encore sorti sur Steam. Par contre, vous pouvez aller l'acheter ou l'essayer sur le site des développeurs directement pour les soutenir. Donc le site, c'est www.island.com. Et donc là, vous pouvez soit télécharger la démo gratuitement, soit acheter le jeu qui coûte 10€. Oh, regardez ça, il y a déjà un sanglier. Ce délire. Je sais pas s'il va m'attaquer. On va se casser un petit peu de là. Du coup, j'ai commencé à récolter pas mal de bois et d'herbes. On va aller dans l'inventaire. On va commencer à se faire un petit craft. Donc là, vraiment, je vous dis, c'est le début de la survie. Donc je suis encore un petit peu en mode découverte, mais je connais un petit peu plus de choses que la dernière fois déjà. Donc on peut crafter de la corde déjà. On peut se faire un arc, on peut se faire un couteau, il nous manque du flint. Ok d'accord, je pense que je vais ramasser un peu de pierre. Voilà, il y en a un petit peu là, on va en ramasser quelques-unes. Un bird nest, un nid d'oiseau. Ok d'accord. Ok je prends. Regardez ça, on peut même récolter le bois dans les arbres directement. Non? Ah ok d'accord, faut rester appuyé. Oh regardez ça, c'est quoi ça? Oh putain, c'est un loup. Ah ouais, ok d'accord. Il dort, vas-y, je vais éviter d'aller vers lui. Tranquillement, on va pas le réveiller. Merde, il y en a un là-bas, on va se casser de là. Putain, il y en a partout en fait. Il y en a à côté et tout. Oh putain, il m'attaque. Il m'attaque. Le bâtard, il m'attaque mon vieux. Putain, casse-toi. Je vais dans l'eau direct. Dégage. Il peut pas aller dans l'eau. Putain, si, il va dans l'eau hein. Casse-toi, je vais y mettre des coups de bâton. Attends. Vas-y, casse-toi. Voilà, regardez. Je peux y mettre des coups de bâton comme ça. Voilà, nickel. Eh, par contre, comment qu'ils sont abusés les bruits. Ça, ça c'est un petit réglage à faire de leur part. Hein. Parce que je vous dis, c'est super abusé les bruits. Oh putain, un ours. Je me casse. Par contre, du coup, oh, c'est quoi ça? Un chapeau, je ramasse. On va tout de suite le mettre. Donc, normalement, on peut faire ça. Chapeau pristine. Donc pristine, c'est en très bon état. Du coup je vais voir s'il y a moyen de crafter maintenant des outils. Ah yes, c'est cool ça. On va faire déjà une hache en pierre. Voilà, un marteau. Ok, on va faire un couteau. Stone mass, je prends. Stone pick, je prends aussi. Basic kit repair, vas-y on va en crafter un. La hache, je vais la mettre là. La pioche, je vais la mettre là. Est-ce que ce serait pas des flèches ça, c'est quoi? Ah bah non, c'est pas des flèches du tout. Comment se crafter des flèches là-dedans? Oh, regardez ça. Il y a un truc là, je vais aller voir ça. Un chapeau, je prends. Un coffre. Ah, il est fermé. Ok, d'accord. La lanterne, je prends. Des steaks, je prends. Paddle. Ah bah yes, on va pouvoir se faire un radeau et tout. Ah bah ouais, ça se trouve on va pouvoir se faire un radeau. Et il y a peut-être d'autres îles à visiter. Sûrement, je sais pas. Alors attends, ça c'est quoi? Je prends, ok nickel. Par contre la dernière fois j'avais pas bien vu comment marche le feu de camp quoi. Ok d'accord, donc là il est dans le feu de camp.
Voilà, j'en ai même deux dans le feu de camp. Par contre, je fais comment pour l'allumer? Et si je mets du bois dedans comme ça? Attends, peut-être là, non? Ah, yes, ok, d'accord. En fait, il faut que je crafte ça. C'est des silex. Et du coup, faut que je ramasse de la flint. Donc, on va faire ça. Donc, ah bah oui, tiens. Ah bah, j'ai appuyé dessus sans faire exprès, mais je vous ai pas montré. On a une vue à la première personne. Voilà, donc c'est plutôt cool. En appuyant sur C. Voilà. Je sais pas si... Oh, moi j'aime bien les deux. J'aime bien comme ça aussi en troisième personne. C'est plutôt cool, je trouve. Donc là, vraiment, faudrait que je trouve de la flint. En plus, ça va pas tarder à faire nuit. Bon, j'ai ma petite lanterne avec moi, donc ça c'est plutôt cool. Oh, regardez, il y a une espèce de chèvre là-bas. Ce truc de fou. Putain, avec la petite musique et tout. Ça va trop bien, quoi. Excellent. Là, je ramasse... Ouais, je ramasse du sable, de la terre. Ok, d'accord, donc c'est pas ça que je veux. Va falloir que je pioche ailleurs. Est-ce qu'il y a moyen que je la nique la chèvre là? Attends. Non? Saloperie, va. Elle se barre, hein. Regardez ça, comment qu'elle se barre, mon vieux. Ah si, je peux, regarder. Oh, ce délire. Je l'ai mis mal, là. Là, je l'ai mis mal. Et là, je pense que du coup, avec la hache, on récupère quelque chose. Ah non, ah ouais, ok, d'accord. Non, j'ai récupéré un truc là. Left shift dive. Left shift. Oh putain, il s'enrhume. Oh merde. Ah ouais, j'ai froid dans l'eau. Ok, d'accord. Ouais, parce que normalement on peut plonger, hein. Bon, attendez, je vais éviter de tout faire dans le désordre. On va voir ça un peu plus tard. Tranquillement. Ah bah tiens, c'en est de la flint. Voilà, nickel. Il m'en faut deux. Oh, regardez ça. Hein? Regardez là, celle-là. Putain. A few moments later. Je suis dans la merde là. Ça fait complètement nu, mon vieux. Ce délire. Faudrait que je trouve une flint. Le problème, c'est que là, je peux tomber nez à nez avec un ours sans forcément le voir. Donc, c'est un peu chaud. Oh, bah, voyez. Bah, tiens, qu'est-ce que je vous disais? Putain. Ah, je l'ai réveillé. Oh, putain, le vla, il court. Je me casse. Je me casse. Putain, puis là, il y a un loup. Regardez voir ce que j'ai trouvé. Regardez voir ce que j'ai trouvé, mon vieux. Oh, là, il est rincé, là. Oh, yes. Une deuxième flint. Je prends. Écoutez, du coup, on va se faire un petit feu de camp, je pense. S'il y a moyen. Unit campfire, vas-y. On va le placer genre par ici. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est crafter. Voilà, c'est ça qu'il faut que je crafte. En fait, une fois que vous avez récupéré deux flint, vous craftez ça. Voilà, c'est nickel. Après, on retourne dans l'inventaire. On équipe ça, je pense. Voilà. Et du coup, on fait ça. Et là. Voilà, nickel. Est-ce qu'il y a moyen que je pose la lanterne? Il n'y a pas moyen que je la pose par terre comme ça? Ah si, yes, on peut la poser par terre comme ça. Bon, c'est plutôt cool comme ça. Maintenant, dans le feu de camp, je vais pouvoir placer... Attends. Ah bah non, putain, j'ai laissé mes steaks dans le feu de camp là-bas. C'est pas grave. Je peux placer ça. Voilà, et là, ça va mettre une minute à cuire. Ok. Est-ce qu'il y a moyen que je les mette directement? Ah ouais, clic droit. Clic droit, on peut les mettre directement dedans. Là par exemple, ah je peux pas me faire une torche. Il me faut ça, résine. Ah faut que j'en trouve je pense. Ça on va crafter, voilà une lance. Nickel, est-ce que c'est bon là au niveau du feu de camp? Ah bah voilà, c'est nickel, impeccable. Regardez ça la lune en face, franchement je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon bah c'est clair que c'est pas des graphismes de ouf quoi. Mais franchement c'est sympa, moi j'aime bien, c'est joli. Et puis en plus faut pas spécialement une machine de guerre pour jouer quoi. Je pense pas. Donc ça là-dessus c'est plutôt cool. Bon je me casse, on s'aventure plus loin. Le soleil va pas tarder à se lever. Des flint, je ramasse. C'est quoi ça? Je ramasse. Vas-y. Oh regardez, il y a un cheval là-bas. Il y a un cheval ici, il dort? Comment que je pourrais l'apprivoiser lui? Hein? À mon avis il faut crafter des selles et tout. Ouais je pense hein. Je vais essayer de crafter ça. Voilà. Ça ok d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, en fait, j'ai débloqué des crafts. Les crafts, en fait, on les débloque au fur et à mesure. Je crois avoir compris. Par exemple, si je crafte ça. Voilà, si je crafte ça, j'ai débloqué un autre truc à crafter, je pense. Je crois que c'est ça. Bon, attends, je vois que le cheval, il s'excite derrière. On va le laisser tranquille. Voilà, il est parti dans la flotte, mon vieux. Ça, je prends. Ok. On se casse de là. Ah yes, ça commence à faire jour. Nickel. En plus, j'aperçois un truc là-bas. C'est quoi, ça? Oh, regardez ce que j'ai trouvé là. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Blooming magique. Vas-y.
Alors là, les gens, je vous le dis d'avance, hein, on va pas pouvoir découvrir tout le jeu dans une vidéo. Ça, c'est sûr et certain. Parce que c'est le genre de jeu où, bon, bah... Faut avancer, quoi. Je peux pas tout montrer comme ça. Mais on va découvrir au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'ai fait, mon vieux? Ok, d'accord. Je me suis couché sur le lit. D'accord. Très bien. Par exemple, je peux ouvrir l'armoire. Ah ouais, regardez. Il y a des vêtements dans l'armoire. Vas-y. J'ai plus de place dans mon inventaire. Oh merde. J'ai plus de place dans l'inventaire. Je vais devoir virer des trucs. Ah ouais, c'est par stack en plus. Vas-y, je vais virer des sticks. Voilà. Des arcs, j'en ai crafté au moins 3. J'ai crafté 3 arcs quoi. Normal, je vais en virer 2. Voilà, du coup je vais prendre ça. 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 Ça je prends. Ça je prends. Et le reste je laisse. Ah ouais, en plus vous voyez, faut gérer son inventaire quoi quand même, hein. On a pas mal de place dans l'inventaire quand même. Mais faut le gérer. Voilà. Maintenant, on va pouvoir s'habiller certainement. Alors attends. Si je fais ça. Ah ouais, vous voyez. Regardez. En haut, I'm cold. Le petit flocon de neige. Il a moins froid quand je mets ça. Il a plus froid là. Vous voyez? Et dès que je remets le chapeau, hop, il a froid. Donc du coup, on va mettre celui-là. On va mettre les chaussures. Je pense qu'il aura moins froid du coup. Le pantalon. Et j'avais pas pris un pull avec. J'étais sûr que j'avais pris un pull avec ça. Attends, si je vais dans les vêtements, voilà. Ah bah voilà, il est là. Ok, d'accord. Je l'avais pas vu. Donc vous voyez, des fois, c'est bien de... Parce qu'on peut tout trier par ici. Vous voyez, ça c'est cool franchement. Là, on est sapé comme des rois du coup. C'est plutôt cool. Alors, ça c'est fermé. Il y a un petit coffre ici. Oh non, même pas. C'est pas un coffre. Par contre, voilà, je vais reprendre peut-être ma hache. On va ramasser tout ça. Ça se trouve, ça va servir. J'ai plus d'espace dans mon inventaire. Alchimie. Ah ouais? On peut faire de l'alchimie carrément. C'est excellent. Ah ouais, l'alchimie, ça va être avec des plantes et tout. En fait, faut tester, voyez. Faut essayer de mélanger plusieurs plantes. Donc là, depuis le début, j'ai pas ramassé de plantes. Ou alors, ouais, j'en ai ramassé 2-3, quoi. Et du coup, faut ramasser plusieurs plantes et faut tester pour voir si ça peut faire des potions. Voilà. Là, il nous dit, je ne pense pas que ça peut faire des potions et tout. Voilà. Donc, il nous le dit directement. Putain, ça passe tellement vite. Par contre, ça va déjà faire nuit, quoi. Tiens, lui, regardez. Hop. Alors. Le crabe. Eh ben voilà. C'est bon. Est-ce qu'il y a moyen de le manger par contre? C'est ça que je voudrais bien savoir. Ah bah voilà, j'y ai mis plusieurs coups de harpon. Et puis du coup, il m'a droppé de la viande. Inventaire plein. Vas-y, on va acheter un truc. Hein. Voilà. Est-ce que je peux ramasser? Voilà, je peux ramasser la viande de crabe maintenant. Nickel. Ok, c'est impeccable. C'est parfait. On va essayer de s'aventurer un petit peu plus loin pour voir. Là-bas, je vois qu'il y a une cabane. On va essayer d'aller voir dedans, tranquille. C'est quoi ça? Putain, ah ouais, c'est un lapin. Ah yes, mais c'est excellent quoi. Ok, d'accord. On peut ouvrir le baril. Bon bah dedans il n'y a rien. Là il y a des bouquins. Là il y a à manger et tout. Putain, j'ai plus de place dans l'inventaire. J'ai plus rien quoi. Ok, d'accord, on se casse de là. On va essayer de se faire un petit truc sur le bord de la plage, tranquille. Ici, ça pourrait être pas mal. Je vais creuser mon vieux, je vais me faire une grotte moi, tu vas voir. Ah yes, regardez par exemple ce qu'on peut faire. Ça, c'est plutôt cool. Par exemple, je pourrais me faire une grotte comme ça. Ben laisse tomber, mon vieux. Ce truc de fou. Attends, stop. Voilà, mon vieux. Putain. À l'origine, j'étais parti pour faire une base. Laisse tomber, mon vieux. J'ai fait... je sais pas ce que j'ai fait, mais... pas vraiment une base quoi. Eh, tu me diras, on est plutôt camouflé là-dedans. Je voudrais bien essayer de crafter un truc comme ça par exemple là. On va voir ce que c'est. Par exemple, il y a ça. Ah ouais, non mais laisse tomber, stop. J'en ai construit combien là? D'accord, ça c'est quoi? Ok, d'accord, très bien. Ensuite, spinning well. Vas-y, on va crafter. Normalement, vous faites un clic droit et ça le craft direct, non? Ah bah pas là. Je teste un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Craft, yarn. Ah d'accord, je peux crafter un truc comme ça. Du yarn, d'accord. Ah ouais, ok, ça fait de la laine en fait. Ensuite il y a ça. Ok, ça c'est quoi? Il n'y a rien à crafter pour l'instant avec ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, voyez, on peut faire une table d'alchimie, des trucs pour les arcs.
Ok, d'accord. I'm hungry, je vois le bonhomme, il a faim là. Bah, j'ai plus rien à bouffer. Et bah, c'est super. Qu'est-ce que c'est que ça? Une wooden pitchfork? Vas-y. Ok, d'accord. Et en fait, vous voyez, à chaque fois, faut tout le temps crafter des trucs. Et à chaque truc que vous craftez, et ben ça débloque encore des nouveaux crafts à chaque fois. Wooden spoon, j'ai crafté, ok. Wooden spike, vas-y. Je craft. Alors attends, je vais voir ce que j'ai fait un petit peu. Non, ce délire, c'est une cuillère. Ah ouais? Et ça c'est quoi? Un pieu. Laisse tomber. Ok, je vais essayer de couper un peu de bois pour voir là. Voilà, impeccable. Ce délire mon vieux. Laisse tomber. Pas. Ah ouais, ok, d'accord. En fait, faut le retaper pour qu'il nous donne ce qu'on veuille. Ok, d'accord. Ah, yes. Vous voyez? C'est plutôt cool, ça. Donc ça, c'est quoi? Wooden raft. Non. Ça, ça va être un radeau, ça. Et vous voyez, à chaque fois qu'on récolte des nouvelles ressources et tout, quand on crafte des nouvelles choses, etc., eh ben, il nous propose des nouveaux trucs à faire. C'est quoi, ça? D'accord. C'est un siège. Ok. J'ai crafté une souche d'arbre. GG. Est-ce qu'on peut tabasser le gros comme ça? Ah bah ouais, on peut. Ce bordel. Laisse tomber, il va m'atterrir sur la gueule, le machin. Oh! Mon dieu! Voilà, impeccable. Je prends. Voilà, nickel. Par contre, je voudrais bien savoir comment faire des flèches. Ah ouais, regardez ça, maintenant je peux crafter des bottes comme ça et tout. C'est quoi ça? Ah ouais! Horse collar. C'est un collier pour les chevaux, ça. Vas-y, on va en crafter un. J'ai plus de place dans l'inventaire. Ok. Unlit bonfire. Ah ouais, vas-y. C'est quoi ça? C'est quoi ce machin? Attends. Est-ce que je peux l'allumer? Si je fais ça, admettons. Ah yes. Oh. Ah ouais, excellent, GG. Ah ouais. En haut à gauche, j'ai extrêmement chaud. Ok, d'accord. Là on commence à découvrir pas mal de trucs intéressants. Donc franchement ça c'est cool. C'est quoi ça? Walking stick. Une canne. Et merde, j'ai plus de place dans l'inventaire à chaque fois. Bah ouais. Wooden shovel. Non, c'est une pelle ça. C'est excellent. Attends, fais voir. Oh ce délire, j'ai une pelle quoi. Oh yes. Ah excellent, c'est pour aplatir un terrain. Trop fort. Ah bah voyez, j'aurais dû commencer par ça déjà. Ah ouais, ah bah c'est excellent en fait. Je suis en train de tout aplatir. Ah ouais, mais c'est excellent en fait, regardez ça. J'ai tout aplati à peu près autour. Bon écoutez les gens, on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur Island. On va se quitter sur un feu de joie ma foi. C'est plutôt cool. Je pense que du coup il y aura une suite. Parce que à mon avis on n'a pas tout découvert du jeu encore. Il y a encore pas mal de craft, pas mal de trucs à découvrir. La prochaine fois je pense qu'on essaiera d'avancer encore un peu plus. Pour voir les possibilités un petit peu. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, pourquoi pas la partager, ça me ferait plaisir. N'oubliez pas que vous avez les petites vidéos qui apparaissent sur les côtés, vous pouvez cliquer. Et puis nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao tout le monde!